Au lendemain du double scrutin qui s'est tenu lundi au Rwanda, les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives donnent Paul Kagame largement en tête avec 99,15% des voix selon les chiffres provisoires des autorités électorales. Ce chiffre porte sur 79% des bulletins dépouillés et les résultats définitifs sont attendus pour le 27 juillet prochain. Il s'agit d'un plébiscite qui confirmerait l'extrême popularité de l'homme de 66 ans au pouvoir depuis maintenant 24 ans. Ainsi, le patron du Front patriotique rwandais rempile pour un quatrième mandat à la tête de ce pays d'Afrique de l'Est. Aussi, soulignons que seuls deux candidats étaient face au président sortant, comme c'était le cas en 2017.